Eh, Vrek, Ouais. si tu pouvais voyager dans le temps, tu irais dans quel temps? Non, mais moi je veux surtout pas bouger. J'ai un super canard. Non, mais avant, dans le passé, il n'existait pas. Et dans le futur, il pourrait arriver des trucs affreux. Non, et puis avec tous les films et les chaînes d'histoire, je vois aucune raison de voyager dans le temps. Mais si, tiens, regarde, je vais te montrer. Regarde, je viens de faire un bond de 1000 ans là, moi. Ouais, mais moi, j'irai dans le futur, tu vois. J'irai dans l'espace. Attention, hein. Pas en Renault Espace, hein. Ou à la limite, en Renault Espace, dans l'espace. Tu vois. Mais. Non, mais. Oh, le futur, ouais. J'irai, ouais. Sur la galaxie. J'irai dans Vénus. J'irai à Mars. Non mais Mars c'est vachement surévalué. Il fait froid, c'est le désert, il n'y a pas d'eau. Et à ce qui paraît, la population de là-bas est vachement pas très accueillante. Non, tu pourrais ne jamais revenir de ton voyage. Ah ouais, t'as raison. Oh, c'est chaud. Bah, sinon, je vais dans le passé. Je pourrais rencontrer l'inventeur de la roue. T'es fou! T'as jamais entendu parler de l'effet papillon? Non. C'est genre, t'écrases une mouche dans le passé et tu te retrouves avec une armée de cochons d'Inde géants dans le futur. Cochons d'Inde? Ah ouais. J'aime pas les cochons d'Inde. Je sais. Bonjour, dynamique et motivé, je suis tout à vous pour un emploi quand vous voulez. C'est ça mon soupe. Tiens, bonjour, vous allez bien? Quoi, c'est pourquoi? Wouh! Eh, salut! Eh, y'a la fête là-haut, viens, 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 on s'amuse! Bonjour, c'est pour un travail? Ah bah, impeccable, voilà, entrez, vous en faites. Vous êtes là pour un travail! Pas pour m'en offrir un. Ouais, ok, parfait! Ah, oh, putain de porte! J'arrive, vous en faites pas, j'arrive! Vous venez pour offrir un travail? Non, c'est pour l'autre qui. Mais non, lui, non, il pue, non, pop. Non, pas lui. Choisissez-moi, regardez, je peux faire, quand même. Ouais, bien, tranquille! La veste, viens! Petite bière, tranquille, posée. Allez, viens! Tiens, salut, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que tu fous là? Puis t'es encore en costard en plus? Bien, j'anticipe, mon cher Moodog. Car vois-tu, si jamais un vendeur, parco, correspondance, arrive jusqu'à la porte, je serai fin prêt à retrouver du travail. Mais ça fait 2 jours que t'as plus de boulot. C'est fini cette vie-là maintenant. Faut te faire une raison. Hein. Et c'est là où t'as tout faux. Comme d'habitude. Ainsi habillé, je suis prêt pour un entretien d'embauche. Non mais, imagine. Il y a un vendeur par correspondance qui vient frapper à notre porte. Il voit que je porte un costard, et par mon langage subtil, comprend que nous sommes du même bord. Enfin, qu'on bosse dans la même branche, quoi. Il apprécie, un dialogue s'installe, on se découvre un tas de points communs, on boit une bière, il m'embauche... Et j'ai un boulot. Bah ouais, mais... on n'a plus de bière. Dans ce cas-là, je ne vois plus qu'une seule solution. Et il nous faut les bières. Je crois qu'il nous faut également des pâtes et du gruyère pour gratiner. Al dente. Eh ben, pour les savoir et c'est bien. Exactly right. On en a quand même passé des épreuves pour les avoir. Ah, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, je savais pas que tu savais désamorcer des bombes. Oh, bon, tu sais, on a tous nos talents cachés. Hein. Toi, c'est le jet ski, apparemment. Ouais, j'avoue que je me suis surpris à traverser ce bateau en flammes. Mais bon,
Je suis prêt à tout pour sauver une école. Ouais. Sale Mexicain. Ils m'ont démonté l'épaule quand ils m'ont jeté dans leur coffre. Ah d'accord, t'étais dans le coffre, parce que moi le reste des Mexicains, ils m'ont pris en otage et ils ont fait des photos de moi tout nu. Puis on aurait dit que j'aurais rien entendu. Bah en attendant, on dit merci qui pour les bières? Mais on dit merci moi, ouais. C'est moi qui suis à l'heure de leur échafaudage en bambou, pendant que monsieur posait nu pour le calendrier sexy du Grand Mexicain 2015. Je faisais diversion, mon petit monsieur. Ah ouais. Et depuis quand tu sais ce que ça veut dire, diversion? Bah, diversion, c'est... diversion. Et je t'écoute. Diversion, c'est des choses diverses. Diversion, des choses diverses. Tu entames des choses diverses pour sauver le monde. Diversion. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, après avoir confié cette affaire de braquage de magasin à la police, heureusement que je me suis rendu compte que j'avais pas perdu les clés de l'appart, on serait foutus, quoi. Ah, attends. Ah, je les ai. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est pas le tout, mais... Bonne nuit.